Bonsoir, il est un peu plus de 23h sur Europe 1, une heure propice aux échanges feutrés, aux confidences murmurées, au creux de l'oreille, au besoin de confier et de partager ce que l'on vit, ce que l'on ressent avec d'autres. Alors vous pouvez nous appeler au 39 21, vous y serez accueillis par Asiba et Julie, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et comme nous sommes en direct et que cette émission, nous la faisons ensemble, vous pouvez également nous faire part de vos commentaires. Peut-être si une histoire fait écho à ce que vous avez vous-même vécu, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'antenne en composant le 3921 ou à nous écrire un petit courriel sur le site europe1.fr ou à nous adresser vos SMS au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, c'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille Camille, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Camille. Alors voilà, je vous appelle pour un sujet un peu délicat à traiter. Enfin, en tout cas, la raison pour laquelle je vous appelle est un peu délicate à traiter, parce qu'en général, on est vite vu comme quelqu'un de superficiel. Mais voilà, pour faire court, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet, pas sur un site de rencontre. C'était sur un autre site, mais qui n'avait absolument rien à voir avec la site de rencontre, pas du tout. Et puis bon, ben, cette personne, je l'ai rencontrée il y a quelques années. Et puis, on discutait beaucoup de choses et d'autres. Et puis, il y a quelques mois, on s'est beaucoup rapprochés, à tel point qu'on a décidé de se rencontrer en vrai. Et puis, si vous voulez, si on s'est rencontrés, c'est parce qu'on s'entendait vraiment très bien, qu'il y avait vraiment une complicité. Vraiment, c'était très très bien et on semblait se correspondre. Et puis finalement, on s'est dit que le hasard avait bien fait les choses, parce qu'on n'était pas là pour rencontrer des gens, comme je vous le disais. Oui. Donc, on s'est dit, c'est un peu, voilà, c'est le destin, etc. Et puis, on s'est échangé des photos. Il me plaisait. Et puis, quand on s'est rencontrés, la complicité, c'est toujours là, il y avait tout. Mais physiquement, non. C'était pas, je dirais pas que c'était le jour et la nuit, parce que c'est faux. Mais disons que il me plaisait plus, quoi. Mmh. Et donc, ça fait quelques mois que nous nous sommes rencontrés, en vrai. Et lui, bon, il était déjà très attaché avant, et puis là, il l'a encore plus. Et moi aussi, je suis attachée. Je me sens très, très bien avec lui. C'est vraiment quelqu'un qui me correspond à 1000%. Mais il y a toujours ce blocage, entre guillemets, qui, voilà, enfin, il n'y a pas vraiment d'attirance. Oui. Pas vraiment d'attirance. Vous n'avez pas de désir pour lui. Disons que, en tout cas, c'est pas moi qui vais chercher à comment dire. Je peux avoir du désir s'il vient à moi. Mais s'il ne vient pas. Oui, mais ce n'est pas de votre initiative. Exactement. Oui, mais c'est ce qui compte. C'est votre désir à vous. C'est-à-dire, il peut créer du désir chez vous si lui vous sollicite. Mais ce n'est jamais vous qui en êtes, qui prenez l'initiative. Oui. Mais c'est pas grave? Pourquoi c'est si pourquoi ça vous pèse autant et pourquoi craignez-vous de paraître superficiel? Ça se commande pas, ça, Camille?
pas. Alors, si je comprends bien, vous avez démarré une relation autre que qu'amicale avec cet homme, malgré tout. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ah oui. Oui, parce que comme je vous dis, il me correspond et que j'ai quand même des sentiments qui sont là. Je veux dire, quand on discutait, il n'y avait absolument rien de concret. Après, on s'est rencontrés. Et puis, il correspondait, sur le plan affectif, intellectuel, moral. On se complète très bien, on s'entend très bien. Mmh. C'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui m'inspire confiance. Il est parfait en tant que personne avec qui je voudrais partager. En tant qu'ami, il serait parfait. En tant qu'ami, je me suis posé la question et quand j'essaye de l'imaginer, enfin de m'imaginer avec quelqu'un d'autre, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous manque parce qu'il n'est pas parfait pour vous? Ce qui me manque, ce serait vraiment... Qu'est-ce qui manque alors parce qu'on sent bien que c'est un poids pour vous. Ce serait de ne pas me sentir coupable quand je me dis... il me plaît pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai peur d'être vraiment superficielle, parce que il y a beaucoup de femmes qui tombent sur des hommes qui leur plaisent physiquement, qui sont très bien, mais qui par ailleurs les malmènent, et voilà. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un de très bien et qui me correspond, qui vraiment avec qui je me sens très bien et en toute confiance, vraiment bien, mais que je désire pas de ma propre. Oui, mais vous ne le désirez pas, c'est ça le problème. C'est quand même ce qui fait un couple. Ce qui fait un couple par rapport à à une relation amicale ou à toute autre forme de relation. C'est qu'il y a du désir. Or, après, on peut jouer sur les mots, mais quand je vous ai dit « est-ce que vous le désirez ?», vous m'avez dit, vous essayez de botter un petit peu en touche, mais vous m'avez dit « oui, enfin, non, papa, quand ça, vous m'avez dit « non, ça ne vient pas de vous ». Oui, il faut que ça vienne, lui, s'il vous sollicite, si... Alors, vous pouvez avoir du plaisir, si je comprends bien, avec lui, c'est différent. Oui, voilà, je peux avoir du plaisir. Oui, vous pouvez avoir du plaisir avec lui, ce qui est déjà une bonne chose, tant mieux. Oui. Mais si vous ne le désirez pas, c'est quand même problématique. Et ça se commande pas. Il y a des personnes, je vais aller plus loin, Camille, il y a des personnes qui se rencontrent, et peu importe le mode de rencontre, pour le coup, qui se rencontrent, qui ont une attirance physique, et puis lorsqu'elles sont dans une intimité physique, ça se passe mal. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et ça ne s'explique pas là non plus. C'est du peau à peau, c'est du corps à corps, c'est une question d'odeur, de peau. On le dit d'ailleurs, il y a une expression, avoir l'autre dans la peau ou pas. Et il n'y a pas à s'auto-flageller pour ça. Alors parfois c'est il faut pas s'arrêter à une première rencontre, à une première union, parce que évidemment il faut apprendre à se connaître, c'est pas ça peut, mais là c'est pas votre cas, c'est pas la première fois où vous avez eu des ébats amoureux. Donc, je vous dis, même il y a des personnes qui peuvent trouver l'autre très agréable physiquement, voire beau ou belle, et pour autant, elles vont avoir des ébats physiques, il ne se passera rien. Dans ces cas-là, il y a fort à parier que leur relation
elle est, ça, c'est pas tellement viable, hein. Oui, Donc je vois pas pourquoi vous voulez vous parce que dans votre mail, vous dites bien, vous posez la question, peut-on rester avec quelqu'un que l'on aime, avec qui l'on se sent bien, en toute confiance, avec qui les choses se passent simplement, sans ressentir d'attirance pour lui? Alors, et c'est vrai que vous avez posé dès vos premières paroles, vous avez la crainte de paraître superficielle. Comme si c'était juste une question d'apparence physique, parce que vous ne le trouvez pas attirant, cet homme. Mais je pense qu'il y a une confusion. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'apparence. C'est pas qu'une question de le trouver beau ou pas beau. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a du désir pour quelqu'un, quelle que soit l'apparence physique de cette personne, vous allez, on va la trouver désirable, parce qu'à nos yeux, cette personne sera désirable. Et même si parfois l'entourage se dit, je vois pas ce qu'il ou elle lui trouve. Ça va bien au-delà d'une question de traits, de silhouette et autres. Et c'est pour ça que cet homme serait peut-être parfait pour vous, pour être un ami, mais pas un amant. Oui, enfin, comme je vous disais, c'est ce que je me dis, et en même temps, voilà, comme quand j'essaie de m'imaginer avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible pour autant. Pour autant, je n'arrive pas à l'imaginer, ou même lui, à l'imaginer avec une autre. Parce que c'est tellement. Je veux dire, oui, il n'y a pas cette attirance, effectivement, mais. Enfin, il n'y a pas cette attirance. Je veux dire, on ne peut pas non plus avoir. Enfin, faire l'amour avec quelqu'un sans être attiré. Je veux dire, tout se passe très bien quand on fait l'amour, mais voilà, Vous êtes avec lui depuis combien de temps? ça fait 4 mois. Et justement, parce que ça se passe bien quand même, voilà, quand on fait l'amour, que j'arrive à prendre voilà, du plaisir et que il me dégoûte pas. Quand il vient à moi, voilà, je le fuis pas. Vous Mais rendez voilà. compte, vous rendez compte, vous rendez compte là ce que vous êtes en train de dire? Il ne me dégoûte pas. Oui, parce que C'est fort, hein? quand je dis que j'ai pas d'attirance, voilà, Oui, mais entre ne pas avoir d'attirance et dire il ne me dégoûte pas, vous voyez, y a quand même toute une nuance, hein. Vous êtes à 4 mois de relation, hein. Imaginez à 4 ans ou à 40 ans. Je vous fais peur là volontairement, mais 4 mois normalement on est dans l'explosion des sens. Hein. 4 mois normalement on n'arrête pas de, enfin normalement, j'aime pas normalement, j'aime pas des histoires de normes, mais dans les premiers temps d'une rencontre on est plutôt, si vous voulez, oui, je dis, il parle d'explosion des sens, c'est-à-dire que on est dans l'exploration de l'eau, dans le, on se pas, enfin, on est dans le désir de l'autre, de la découverte, et ça fait partie aussi de cette sensualité comme ça. Donc là où mon temps plutôt à espacer, et bon, s'il vient, bah, on le repousse pas, oui. Bon, parce que voilà. Alors, je comprends que ça soit un dilemme. Compliqué parce que vous le trouvez par ailleurs, vous le trouvez, il a toutes les qualités intellectuelles, morales, mais vous ne parvenez pas à dissocier les deux, ce que les hommes font parfois plus facilement.
voyez, c'est très, il y a des hommes qui, les hommes arrivent plus souvent à dissocier, c'est-à-dire qu'ils ont des relations purement sexuelles, et puis ils peuvent avoir justement des femmes avec qui ils ont une relation, une complicité intellectuelle. Vous, cet homme, vous le trouvez passionnant, et vous adorez cette relation avec lui. Mais alors, il fallait en passer par le sexe pour le garder, non? Pourquoi? Ben parce que le sexe, c'est quand même un des fondements du couple. C'est, enfin, je veux dire, un couple, justement, ne se détermine pas exclusivement par le sexe, mais enfin, c'est quand même ce qui nous dissocie des relations amicales. Et si vous voulez, moi, ce que je me dis, c'est peut-être que cette personne ne te plaît pas totalement physiquement, mais est-ce que ça vaut le coup de passer à côté d'une relation dans laquelle tu seras épanouie quand même, parce que voilà, il est vraiment, enfin, moi, pour moi, si on met ça de côté, pour moi c'est l'homme avec qui je veux vivre, l'homme parfait. Est-ce que ça vaut le coup donc de mettre en péril cette relation pour peut-être me retrouver avec quelqu'un qui me plaira plus physiquement, mais qui ne me rendra pas heureuse. C'est là, en fait, si vous voulez. Oui, mais justement... Est-ce que c'est vraiment si important que ça, en fait? Parce que moi, j'en ai eu des petits amis avant qui me plaisaient, tout à fait, physiquement, qui étaient très bien. Mais jamais j'ai ressenti ce que je ressens maintenant avec lui. Jamais. C'est-à-dire? Eh bien, savoir me lâcher complètement avec quelqu'un, ne pas avoir peur de son regard, être bien, quoi. Me sentir bien. Oui, me sentir bien, être en totale confiance, aimer partager des choses avec lui. Oui, comme je dis, me lâcher, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, vraiment me lâcher, parce qu'avant, j'étais... très méfiante, très... Oui, mais est-ce que vous vous lâchez autant dans la sexualité? Dans la sexualité, ça se passe bien pour moi. Aussi. Oui, ça se passe bien. Malgré ça, ça se passe Malgré bien. Malgré ça, d'accord, c'est important. Bien. Vous c'est pouvez vous abandonner ça. Aussi avec lui. Oui, oui. D'accord. C'est pour ça, en fait, que je suis vraiment... Donc c'est ce qui vous attache à lui aussi? Oui, oui, ça m'attache à lui, bien sûr, oui. Mmh, ça, je comprends. Oui, vous pouvez être vous-même dans cette relation. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Je peux être moi-même. Alors, pourquoi, finalement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que vous ne le trouvez pas attirant malgré le fait de tout ce que cette relation vous apporte? J'en sais rien. Je sais pas, c'est vraiment seulement physique. C'est que physique. Ouais, je pense qu'il y a autre chose. J'en ai pas conscience, alors que je sais pas, bien sûr, ça doit être plus profond que ça, mais en tout cas, moi, pour l'instant, c'est que physique, je sais pas comment expliquer. Parce que justement, voilà, ce qui vraiment m'amène à vous appeler, c'est que je suis perdue dans le sens où sexuellement, on pourrait croire que ça se passe pas bien, que je suis pas, que je prends pas de plaisir, qu'il y a pas de... Alors que non. Oui, ce que je craignais, c'est que, y compris dans la sexualité, ça soit plus une corvée, si vous voulez, hein, qui est un peu presque un devoir, et vous dites que non. Non. Non, c'est pas le cas. Non. Mais bon, le désir ne vient pas de vous, quand même. Hein. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Ce qui est quand même un peu... Ce qui était le cas dans vos relations passées? Non. Non plus. Donc il y a quand même, c'est pas propre à cet homme, c'est propre à vous. Non, parce que je pensais que vous me demandiez si je n'allais pas vers les autres. Si, j'allais vers. Vous preniez l'initiative. Oui, je prenais l'initiative. Oui. Pas avec. D'accord. Donc là, c'est plus dans cette relation-là. Oui. En tout cas, on sent que. C'est pas. Je ne sais pas si c'est parce que vous me parlez de lui là, mais il n'y a pas quelque chose de. C'est lourd, hein. Il y a quelque chose de très... C'est pas très vivifiant.
parce que ça me rend coupable quelque part. Ah là là, oui, et ben alors c'est ça, parce qu'il y a le poids là d'une... C'est vrai qu'on vous sent un peu écrasé. Ouais. Oui, parce que je me sens vraiment... pardonnez-moi l'expression, mais je me sens conne. Parce que je me Pourquoi dis... Parce que je me dis, est-ce que t'es pas superficiel finalement? Est-ce que ça compte? Est-ce que si t'étais tombé sur le... Mais et si vous étiez un homme, après tout, est-ce que vous vous sentiriez aussi con, pour reprendre votre expression? Est-ce que les... Je me pose cette question, est-ce que les hommes ont ce genre d'état d'âme? Volontairement, vous voyez, je me fais l'avocate là du diable, parce que je vais te dire, j'aimerais bien avoir des points de vue là, un peu avoir un débat là-dessus, parce que je pense que les hommes dissocient plus facilement. Il y a peut-être encore des femmes avec qui on peut coucher comme ça sans état d'âme, et des femmes avec qui on peut avoir une relation plus humainement intéressante. Bon, c'est ce que je reçois, un message du subversif qui dit « Ne soyons pas sexistes ». Alors lui, il va pas dans ce sens-là, il dit « Cet homme vous plaît sentimentalement, pas physiquement, il n'y a rien de plus humainement naturel ». Ça peut arriver aussi. Bon, après tout, vous vous torturez, mais l'important, c'est ce que vous vivez avec lui. Oui. C'est peut-être pas votre idéal masculin, tel que vous le fantasmez, mais on ne fait pas sa vie avec un idéal. L'idéal, souvent, c'est écrasant aussi. Hein. Dans les faits, c'est avec cet homme que vous pouvez être vous-même, comme vous ne l'avez jamais été jusqu'à présent. Et comme dit David aussi, de toute façon, il envoie un petit SMS, il dit « L'homme parfait n'existe pas, et celui dont vous nous parlez ne paraît pas si mal. » Il paraît même plutôt très bien. Très bien. Et c'est pour ça, voilà, que là où j'insistais sur le fait que je me trouvais superficielle, c'est que j'en suis venue à me demander si j'étais tombée sur... si il m'avait vraiment plu physiquement et qu'il en était venu avoir un accident ou autre, être défiguré. Franchement, j'en suis venue à me demander si... comment j'aurais réagi. Et c'est pour ça que je me sens pas bien, quoi. Oui, ben voilà, je me sens pas bien. Parce que je me dis, en fait, sur quoi ça repose sur quoi tu fondes tes relations, quoi. Je me suis quelque part déçue, parce que j'aurais jamais pensé que j'en aimerais. Oui, mais vous vous décevez, vous, c'est ça. Vous culpabilisez, vous vous en voulez. C'est ça, vous vous en voulez beaucoup à vous-même. Comme si vous pensez, quand vous dites « je suis conne », c'est ça, vous pensez être une fille superficielle, parce que vous avez le sentiment que votre sentiment amoureux, vous ne pouvez être amoureuse que d'un homme qui serait beau, qui aurait un certain physique. Or, tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est le contraire. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas un canon de beauté, selon les critères que l'on s'accorde à dire comme tel. Mais vous, cet homme-là, vous êtes amoureuse de lui. Alors, d'une certaine façon, vous dites « il ne me plaît pas physiquement ». Parce que là, vous prenez d'une certaine distance en disant « ah, physiquement, il ne correspond pas à vos critères de beauté ». Mais par ailleurs, vous dites en même temps que cet homme-là, vous vous entendez avec lui à merveille, que vous avez une complicité... aussi bien intellectuelle que sur le plan moral, qu'affective, et aussi sexuelle. Que demander de mieux? Donc là, on est très loin de quelque chose de superficiel.
n'êtes pas sur des valeurs superficielles. Parce que si ça avait été le cas, vous n'auriez même pas laissé une chance à cette histoire. Oui, oui. Vous auriez pu dire, non, pas du tout mon type d'homme, il me plaît pas, je vais même pas voir plus loin ses qualités, ses qualités humaines. Donc je pense que c'est vous auto-flagellez dans cette histoire. Ce que dit quelqu'un d'ailleurs. De toute façon, le prince charmant n'existe pas. Vivez pleinement votre histoire sans vous poser trop de questions. Oui. Et First Lisa aussi qui dit « Vous manquez de légèreté parce que c'est une relation qui vous engage. » Eh oui. Ah oui, oui. Notre question, si une femme tournait autour de lui, que diriez-vous ? Ah oui, mais... Est-ce que vous avez le sentiment que que c'est un homme qui plaît aux femmes ? Est-ce que Il a eu des relations avant et donc oui, il a plu bien sûr et sans doute il plaît encore et si une femme si une femme lui tournait autour voilà je oui je ressentirais un peu de jalousie quand même oui. Mais c'est vraiment avec moi, je pense. Oui, c'est entre vous, là où vous situez par rapport. Vous situez pas d'ailleurs tant la relève par rapport à lui. C'est entre vous et vous le regard que vous portez sur vous-même. Vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, à un moment très clairement, quand vous dites j'ai l'impression d'être une conne et d'être une fille trop superficielle. Alors que ce que vous vivez avec lui n'est pas superficiel. Et donc ça montre bien que vous ne l'êtes pas. Et que vous ne vous êtes pas arrêté à ces questions d'ordre physique. Mais c'est une façon de, peut-être de tenir cette relation à distance parce qu'elle vous implique plus que vous ne le pensez et qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous tourmente, qui vous trouble parce que pour la première fois, vous pouvez être vous-même dans une relation alors que jusqu'à présent, vous étiez avec des hommes qui correspondaient peut-être plus en termes de critères physiques à votre idéal masculin. Mais où vous étiez davantage dans une image que dans une relation. Oui, enfin, je me sentais moins heureuse. Bon, alors avec c'est ce qui compte. En tout cas, un homme me rendait moins heureuse plutôt. Oui. Donc ce qui compte, c'est ce que vous vivez. Ouais, je pense que c'est vraiment une, comme vous dites, c'est une question de, c'est entre moi et moi, oui. Ouais. Ouais. Donc je crois qu'il faudrait que vous soyez un peu plus indulgente envers vous-même, hein, pour vivre cette relation avec un peu plus de légèreté, mais au bon sens du terme. Voilà, la vivre pleinement et arrêter de la scruter. D'accord ? D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous tiendrai au courant éventuellement. Avec plaisir. Bonne chance, Camille. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, un petit message de Muriel qui arrive au 739-21 qui dit « J'ai le même problème que Camille. Je pense que le manque de désir nous frustre et on se demande si on aime vraiment. » Le subversif, dit Camille, culpabilise de concéder son sentiment amoureux à la dimension physique. « Libérons les femmes de cette ignominie », ajoute-t-il. Il ajoute « Le féminisme a de l'avenir partout, décidément. » On accueille maintenant Bernard. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir appelé. Voilà, je me permets de vous appeler. C'était un petit peu par hasard, je suis tombé sur votre émission hier soir. Et j'avoue que j'ai trouvé très intéressante et je me suis dit que vous pouviez peut-être m'aider. Mais je l'espère. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais vous raconter un petit peu mon histoire. Et puis, j'aimerais avoir votre point de vue, parce que j'ai bien une idée, mais je crois que j'ai besoin
qu'on me dise si je suis dans l'erreur ou pas. Voilà, j'ai 58 ans. Je suis encore marié. J'ai 3 enfants, dont un qui est très très gravement handicapé. Voilà, je dis ça, c'est parce que en fond, c'est pas inutile de le savoir, oui. Même si c'est pas le sujet de mon appel. Voilà, je suis, j'ai été muté professionnellement il y a 3 ans dans une ville dans laquelle je dirige une administration. Je suis pas fonctionnaire, mais c'est une administration néanmoins. Je le dis aussi parce que c'est peut-être pas inutile non plus d'avoir ça en arrière-plan. Et j'ai rencontré une dame qui va avoir bientôt 50 ans, voilà, qui a eu elle aussi 3 enfants, 3 filles, les 2 grandes de lorsqu'elles étaient mariées, qui font leur vie, et puis une petite fille qui a aujourd'hui un peu plus de 10 ans, qu'elle a eu avec un autre homme qu'elle a connu et qui malheureusement est décédé, donc elle a élevé seule sa fille. Lorsque je l'ai connue, elle venait d'être plaquée très brutalement, du jour au lendemain, sans une explication, par son amie de l'époque. Et puis, bon, on a eu d'abord des relations amicales, et puis ces relations se sont transformées un petit peu par la suite. Et la suite, c'est devenu autre chose. Et puis moi, j'avoue en être tombé amoureux. Ça s'est bien passé pendant quelques mois, et puis un jour, elle a reçu une lettre de son ami qui l'avait plaqué et qui, en fait, revenait à son bon souvenir. Et je me rappelle encore de sa phrase lorsqu'elle a reçu cette lettre, qu'elle m'en a parlé. Elle m'a dit, voilà, il m'a écrit et tout ça, mais tu sais, j'ai pas encore choisi, ce qui m'a déjà refroidi brutalement. Et puis nos relations étaient qu'un cas, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où elle était avec moi, des périodes où elle était retournée avec lui. Alors lui et moi, je crois que c'est l'opposé un petit peu, parce que lui c'est un artiste, c'est un gars qui dans la semaine travaille sur l'entretien des routes du département, mais qui le week-end est un musicien, fait des concerts, etc. Et donc quelqu'un qui a une grande aura auprès des filles, apparemment il a une bonne réputation dans ce domaine. Moi, je suis un administratif, je suis certainement nettement moins flamboyant, etc. Donc voilà, nos relations étaient qu'un cas. On a rompu plusieurs fois, et puis ça nous est arrivé de revenir ensemble. Et puis au mois de novembre de l'année dernière, je lui ai proposé qu'on vive ensemble. Et puis elle a accepté. Mais il faut dire qu'elle avait pris chez elle une de ses filles, son mari et leur propre petite fille, parce que ils avaient perdu leur emploi et ils étaient venus en fait chez elle. Ils avaient quitté la région où ils étaient venus chez elle. Et même à l'époque, j'ai toujours vu qu'il n'y avait pas un grand enthousiasme chez elle de venir avec moi. Et que j'ai eu l'impression dès le début qu'elle venait chez moi plutôt pour régler un problème avec ses enfants que par vraiment une envie d'être avec moi. Enfin, toujours est-il qu'on a emménagé ensemble, tous les trois, donc sa fille, elle et moi. Et puis, ça s'est bien passé pendant une semaine, 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, souvent elle faisait des réflexions, enfin c'était pas agréable du tout. Et puis un soir, sous prétexte d'aller voir de sa sœur, en fait j'ai appris que elle était allée voir son ancien ami. Donc je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, moi je te donne le temps de réfléchir. Je vais dans ma maison, parce que j'ai une maison de famille qui est pas très très loin, je vais habiter dans cette maison, et le temps que tu réfléchisses à ce que tu veux. Au bout de 3 jours, elle m'a rappelé, mais en me disant, que c'était pas en me disant j'ai envie que tu reviennes, tout ça, c'est
Eh ben, je sais pas, je sais toujours pas décider. Puis de toute façon, t'as qu'à décider parce que dans 15 jours, je serai pas plus au clair tout ça. Et je dis, bah si c'est comme ça, si ça va pas plus loin, moi j'arrête. Voilà. Et puis j'arrête, mais j'ai continué à payer le loyer jusqu'à ce qu'elle trouve un appartement pendant toute la période de préavis, etc. C'est moi qui ai tout réglé. Et puis elle a trouvé un autre appartement. Je l'ai même aidé à déménager dans cet appartement. Moi, j'avais plus du coup d'appartement. Voilà. Et en fait, on s'est remis ensemble, mais elle était aussi partagée avec son amie. On a même ensemble été voir une comment on appelle ça, une médiatrice conjugale pour essayer de nous aider, qui nous a sans doute aidé parce que au moins est-ce qu'elle se débarrasse de son ami, parce que c'était quelque part le fantasmait beaucoup, parce qu'apparemment il était bien sous tous les plans. Et c'est le père de son enfant. Non, le père de son enfant est décédé malheureusement il y a très peu de temps après la naissance de sa fille. D'accord. Non, ah oui, moi je croyais depuis le début, c'est un autre qu'elle a connu après, d'accord. Elle a connu par la suite. D'accord. Mais que vraiment, elle avait dans la tout à l'heure, vous employez l'expression, elle l'avait dans la peau. Oui, je crois qu'elle avait dans la peau, que c'était vraiment quelque chose. Visiblement, oui. Oui. Et que là-dessus, bon, c'était le jour et la nuit avec moi. Et puis voilà, c'était comme ça. Bon, je vais résumer. Hein. Donc on a passé par cette médiatrice familiale. Ça nous a aidé un petit peu, mais ça n'a pas résolu tous les problèmes. Mais au moins, je pense que ça l'a aidé à tourner la page de cet homme qui vraiment lui prenait la tête et le reste. Cet été, nous sommes partis en vacances ensemble, c'est-à-dire que tous les deux faire de la randonnée dans les Hautes-Alpes, et puis ensuite tous les trois en une semaine en Bretagne, ça s'est bien passé et tout. Mais bon, je lui disais bien que j'attendais avec intérêt la vie quotidienne lorsqu'on prendrait. Voilà, et donc cette vie quotidienne a repris, et puis à nouveau ça ne va plus bien avec des mots qui. Alors, je suis allé remplacer ma femme auprès de mon fils, donc très, très malade, pendant une semaine, parce que ma femme partait en vacances avec l'ami qui est là. Bon, ça, c'est autre chose, mais j'étais la remplacer auprès de notre fils malade, donc j'ai laissé mon ami pendant une semaine. Et ça a suffi pour que, par téléphone, j'ai vu qu'il y avait un changement au fil des jours, on s'appelait tous les jours, j'ai bien vu qu'il y avait un changement. Et puis, j'ai profité d'un de mes passages où je devais retourner à mon travail pour aller la voir à midi, et avant de retourner m'occuper de mon fils. Et là, elle m'a dit que de toute façon, avec moi, ce qu'elle m'avait dit déjà un certain nombre de fois, avec moi, elle s'ennuyait, que je lui apportais rien, que je lui. Voilà, que bon. Qu'elle avait besoin d'autre chose, mais quand je lui demande qu'est-ce que c'est ses attentes pour que j'essaie de lui apporter des choses, ça tourne autour de je veux voir du monde. Bon, alors c'est vrai que je suis pas dans ma région d'origine, donc c'est vrai que des relations j'en ai pas beaucoup, et puis je veux sortir, mais seul, pour voir si je plais encore, tout ça. Bon, et encore ces choses-là, je les ai même acceptées, puisque je vais même faire opposition par rapport à sa fille de la garder. Voilà, ça c'était donc. Oui, enfin, vous allez accepter jusqu'où comme ça? Comment? Vous allez accepter jusqu'où comme ça? Parce Que, vous voyez, elle veut sortir, elle veut voir du monde, puis elle vous dit qu'elle veut sortir seule pour voir jusqu'où elle plaît. Voilà, à un moment, qu'elle reste seule alors dans ces cas-là. C'est la question que je me pose. Et hier soir, vous voyez, quand. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas non plus tout accepter. Non. Hier soir, lorsque j'ai appelé votre collaboratrice, j'en étais là. Et puis, il se trouve que depuis pas mal de temps, elle a pris un billet, je lui avais dit que moi ça me posait aucun problème, pour aller voir un spectacle demain soir. Et ce matin, elle m'a appelé à mon travail en me disant, écoute Bernard, demain j'ai ça,
mais j'ai ce spectacle, tu te rappelles, et est-ce que ça t'embête pas de venir garder ma fille? Alors j'ai dit, non, puisque je te l'ai promis, je le ferai, je viendrai m'occuper de ta fille demain soir pour que tu ailles à ce spectacle. Voilà, donc j'en suis là, et ce soir, donc, elle m'a rappelé, et puis elle me dit, tu sais, je tiens quand même à toi, je lui dis, oui, mais quand même, tu me dis que je t'apporte rien, qu'avec moi, tu t'ennuies, que je suis... Alors, évidemment, quand elle est chez elle, moi, j'ai pas grand-chose à faire, c'est un trois pièces, j'ai aucune affaire à moi qui soit dedans, oui. C'est vrai que je tourne un peu en rond, elle s'en rend bien compte, et elle me dit, mais t'es tout le temps après moi et tout, j'ai dit, je suis après toi, pas vraiment, mais c'est vrai que d'un autre côté, je sais pas quoi... Oui, vous la dérangez, et elle vous le dit ouvertement. Voilà, quelque part, voilà. Laissez-la respirer, qu'elle prenne l'air du large. Oui, mais alors moi, elle est désagréable, elle se montre ouvertement désagréable, et vous ne savez pas quoi faire pour être... Plus vous êtes gentil avec elle, plus elle est désagréable, et vous ne savez pas quoi faire pour être gentil, et elle, elle sort demain, et vous jouez les babysitters. Vous voyez, à un moment, il va falloir s'arrêter. Falloir arrêter Bernard, de jouer les Saints Bernard. Oui, il y a un moment où... Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai appelé hier, parce que je me suis dit quand même, moi qui adore Brassens, je me suis dit que vraiment, si ça se trouve, et je crois que c'est ce que j'ai besoin d'entendre de quelqu'un d'un tiers, c'est le temps ne fait vraiment rien à faire, quoi. Non. Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas dans en continuant sur cette voie-là que vous pouvez espérer quelque chose de cette femme. Si vous vouliez, je ne sais pas si en termes de... Je vois bien que là, vous n'êtes pas du tout dans la stratégie, sinon vous n'adopteriez pas cette attitude-là. Mais ce n'est pas en adoptant ce comportement-là que vous pouvez espérer que la relation évolue dans le sens que vous souhaitez. Cette femme vous lui êtes acquis. C'est confortable. Elle le dit. Vous êtes là. Elle vous ménage absolument pas. Hein. Elle vous le dit. Elle s'ennuie. Vous lui apportez rien. De temps en temps, elle a besoin de vous. Elle fait appel à vous. Et pas plus. Oui, donc elle est dans la perspective. Non, mais je crois que malheureusement, à un moment, il faut regarder un peu les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé d'ailleurs. Bon, donc je crois, soit vous pouvez pas, de toute façon, elle aimait bien, elle était prise dans cette relation avec cet homme qui, lui, alors était à l'inverse. Hein, l'opposé, qui jouait avec elle, jouait avec ses sentiments, n'était jamais là, elle courait derrière, c'est son problème, c'est son problème. Bon, après tout, elle aimait ça, elle en redemandait, et vous, plus vous êtes bienveillant et gentil, plus elle vous rejette, plus elle vous malmène. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, si ce n'est vous éloigner? En tout cas, vous dire qu'à un moment, vous n'acceptez plus d'être le gentil compagnon qui en prend plein la figure. Oui, je suis bien d'accord, mais seulement si je m'éloigne, je pense que ce sera un éloignement définitif. Peu importe. De toute façon, vous ne gagnez rien actuellement dans cette relation. Bien sûr, j'ai beau jeu, moi, de vous dire peu importe. C'est pas moi qui souffre dans cette histoire. Hein. Mais actuellement, vous n'êtes pas dans cette relation comme vous voudriez être avec elle. Elle se sert de vous, elle vous utilise. Donc, soit elle peut prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien et que elle a poussé le bouchon trop loin rendre compte. Mais ça, elle n'est pas gênée pour me dire qu'on ne trouvera jamais un aussi bien que moi.
Mais ça, elle me l'a dit. Oui, d'accord, soir, mais enfin bon, voilà, peut-être que c'est à être trop. Vous voyez, là, il y a un moment où vous. C'est même plus. Il n'y a plus de. Vous n'avez plus. Il y a quelqu'un qui dit vous en perdez un peu. C'est Fort Lisa qui dit vous en perdez un peu votre virilité dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est elle qui mène trop le jeu. Elle est complètement dans la situation. Elle a complètement le pouvoir dans la. C'est une façon de dire qu'elle a le pouvoir dans la relation. Donc, soit peut-être. Après tout, elle va se rendre compte de quelque chose, ça peut provoquer un déclic et revenir vers vous. Ou alors, elle va, oui, définitivement, enfin, c'est vous qui aurez pris l'initiative, vous allez vous éloigner et vos chemins vont définitivement s'éloigner. Mais de toute façon, ça ne mène pour le moment à rien, cette histoire. Oui, je suis d'accord, parce qu'un jour j'y crois, le lendemain j'y crois plus, et puis... Vous méritez quand même mieux que ça. Je sais. Vous le savez. Je ne sais pas si je mérite mieux, mais en tout cas... Mais si, vous méritez mieux. En tout cas, moi, je vous le dis. C'est vrai que je ne suis pas dans mon... Bon, je suis pas dans ce que je souhaiterais, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, facile, vous assurez l'intendance et lui, la fantaisie. Ah oui, tiens, bah, cette personne-là a tout à fait raison, parce que ça me rappelle, il y a 2 ans de ça, un jour comme ça, un soir, elle avait dit, c'est dommage qu'on puisse pas aimer 2 hommes à la fois. Bah bien sûr, ouais, et comme ça, c'est... Effectivement, j'ai traduit ça comme ça, elle dit, ouais. Je m'éclate avec lui, et l'autre, quand j'ai des problèmes, eh ben, je vais voir l'autre, il va me les régler. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques messages pour... Il y a Patricia qui dit, cette femme a l'air bien compliquée, faites attention, vous allez souffrir, et pourtant, vous avez l'air charmant, fuyez. Et puis, qui dit attention de ne pas vous complaire à jouer au pompier. Chris qui dit, elle se sert de vous, vous êtes son jouet. Et Ridan qui dit, l'amour est une véritable prise en otage ce soir. Le subversif qui dit, ce couple peut aussi être comme le roseau, éployé sans rompre, que Bernard comprenne, accepte et en profite pour aller s'amuser de son côté. Ça, vous pouvez redevenir, oui, séduisant à ses yeux. C'est-à-dire, mais en vous éloignant. Hein, Laurence de Picardie qui dit, elle joue avec vos sentiments, elle profite de vous, fuyez, éloignez-vous. Et Kevin qui dit, attention, hein, touchez le fond, vous pouvez creuser encore. Et une femme qui dit, vous n'auriez pas un frère jumeau, je plaisante bien sûr, mais parce qu'un homme aussi enclin à reconstruire est une perle rare. Elle, en revanche, est une capricieuse. Osiris qui dit, cette relation d'Annecy fait grincer des dents. Et Brigitte qui dit, c'est le problème d'avoir le statut de consolateur de femme quittée. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Ah, c'est gentil. Oui, bah écoutez, je crois que j'ai bien fait de vous appeler parce que ça me renvoie en pleine face ce que je pense intérieurement quelque part. Vous le sentiez puisque vous avez dit, vous m'avez dit à un moment, hein, je le sais, je le sens, mais j'ai besoin de voilà, d'avoir. Qu'on me dise en face, quoi. Qu'on me dise en face que je suis pas dans l'erreur quand je dis ça et que. Oui, vous le saviez et vous savez au fond que vous méritez mieux que ce que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire, ou sinon, ça veut dire que vous êtes en train de perdre un peu d'estime de vous-même dans cette histoire. Et dans ces cas-là, il est grand temps de mettre un peu les voiles. Ou de cette femme qui est là, dans son arrogance, hein, avec son côté de dire, oh, bah, je m'ennuie, je veux voir du monde, je veux voir si je plais encore. Bah, montrez-lui que vous aussi, vous plaisez. J'aime pas donner ce genre de conseils. Habituellement, j'aime pas être dans ce côté stratégie à la noix et voyez le côté j'aime plus être dans les relations vraies et autres. Mais malheureusement, on s'en rend compte que parfois, avec ce genre de personnes, hommes ou femmes, souvent femmes d'ailleurs, ça marche. Donc après tout, si vous tenez à elle, si vous voulez parfois être un peu stratège, ça peut marcher. Donc éloignez-vous et montrez à votre belle que vous n'avez pas que les yeux de Chimène pour elle, voyez. Regardez un peu ailleurs. Voilà. Oui. Bah, bonne chance. Oui, bah, merci en tout cas. C'est très, ne raccrochez très pas parce qu'il y a Patricia qui dit qui vous propose son numéro de téléphone, voyez. Ça peut commencer comme ça. Pour parler amicalement. Mais bon, ne raccrochez pas. On va vous transmettre en antenne. D'accord, bah, c'est gentil. Merci. Au revoir Bernard. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21
34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Cinéa m'envoie un petit courriel pour dire, reviens sur le témoignage de Camille qui s'interrogeait sur sa relation, se demandant si elle n'était pas superficielle parce que l'homme avec qui elle est ne lui plaisait pas physiquement. Elle dit, eh bien, quand bien même Camille serait superficielle car elle aimerait que l'homme de sa vie l'attire physiquement, serait-ce vraiment d'une intolérable cruauté? Non, j'ai répondu à ce sujet. Moi, je pense que c'est important d'être attiré physiquement par la personne avec qui l'on est, en tout cas d'avoir du désir, parce que c'est ce qui différencie d'une relation amicale ou de toute autre relation. Donc, il n'y a pas de cruauté là-dedans. Je pense que c'est même essentiel la question du désir dans un couple. Voilà, il est... de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 3921. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. Et nous allons accueillir maintenant une autre Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle pour avoir un avis extérieur. Je n'ai pas vraiment de question particulière. Un avis extérieur, une vision extérieure des choses concernant ma situation, qui est je connais un homme depuis déjà le temps passe hein, depuis déjà plus de 2 ans qui me plaît beaucoup. On s'est perdu de vue pendant plusieurs mois. On se revoit de façon très très épisodique, mais sans il ne s'est jamais rien passé, si vous voulez. Je pense qu'il sent, à mon avis, il doit sentir qu'il me plaît beaucoup. Et donc, c'est pour cette raison qu'il s'est permis une liberté particulière, qui est de venir me voir un jour, de venir me voir et me demander si je voulais passer du temps avec lui, venir chez lui, passer du temps avec lui. Ça m'a énormément surprise. J'étais bien sûr extrêmement contente, mais énormément surprise du fait que c'est la dernière fois qu'on s'était vu. C'était vraiment il y a vraiment plusieurs mois. C'était vraiment extrêmement soudain et particulier. Mais bon, j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant c'est. Oui, ça me fait toujours rire cette expression. Oui. En me disant, alors, bon, ben, c'est là. Ben oui, c'est mon jour de chance. Ben oui, voilà. Oui, bien sûr. J'étais très très émue, parce que je suis quelqu'un d'assez timide, j'étais très très émue, etc. Mais bon, la personne me plaisant tellement que... Oui. Et en fait, effectivement, je suis allée chez lui, ça s'est très bien passé. Bon, j'étais pas des plus détendues, évidemment, mais... Vous n'aviez jamais, jusque-là, eu de rencontre en tête-à-tête? Non. Ah oui, donc vous retrouvez d'emblée chez lui, c'est vraiment être dans son intimité. Exactement. Oui, je comprends que vous ne soyez pas spécialement détendu. Pas du tout, effectivement. Enfin, vous saviez un peu à quoi vous en tenir? Comment ça? Bah,
vous saviez à quoi vous en tenir. C'est-à-dire, vous le dites quand même, cet homme, il vous plaisait, vous lui plaisiez, il vous invite chez lui. C'était quand même, c'est pas neutre. Il vous invite pas dans un lieu à l'extérieur. Non, c'est pas neutre, effectivement. Oui. Effectivement, il m'invite chez lui. On passe l'après-midi ensemble. On déjeune le midi. On passe l'après-midi ensemble. Je rentre à la maison. Surtout qu'il y avait ses enfants aussi. Hein. Ses enfants étaient présents. Ses enfants étaient présents. Ah, d'accord. Mmh. Donc c'était effectivement assez particulier. C'est étrange. C'est étrange. Mais tout est un peu étrange, quoi. C'est ça qui. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. C'est bon. À partir du moment où la personne me plaît, moi, je n'ai pas vraiment de jugement à avoir, en fait. Mmh. Et ce qui me perturbe beaucoup, c'est cette invitation soudaine après des. Ça faisait vraiment très très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et d'autant plus que quand on se voit, soit on se croise, ou soit on se voyait dans le cadre du travail. On ne se voit plus dans le cadre du travail, on se croise désormais sur le trottoir, ça ne va pas très très loin, quoi. Ouais. Donc là, cette invitation était très soudaine. Bon, ben voilà, j'y vais tranquillement, enfin non pas tranquillement, mais j'y suis allée. C'était à peu près il y a un mois. Ouais. Et plus du tout de nouvelles, absolument plus aucune nouvelle. Ouais. Donc encore un mystère de plus. J'étais extrêmement perturbée avec ça. Je suis quelqu'un d'assez émotif, de fragile, j'ai quelques soucis au niveau de mon travail qui commence à se régler. J'ai beaucoup de travail. Donc j'ai besoin d'énergie, si vous voulez. J'ai besoin d'énergie pour rétablir ce problème-là. Et il me tombe ce genre de choses sur la figure, en quelque sorte, et qui me prennent toute mon énergie, qui me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je sais que j'ai un caractère particulier, qu'il faut que je fasse avec, que je suis extrêmement, émotive et sensible, surtout dans ce domaine. Surtout dans ce domaine, je passe mon temps à essayer de me préserver. C'est pour cette raison que je suis... Bon, j'ai longtemps été seule et pour l'instant, ça ne me dérange pas plus que ça, vu que j'ai d'autres problèmes à régler. Ça vous perturbe, cette relation, cette histoire-là? Ça me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne comprenez pas, finalement, qu'il vous invite chez lui, enfin il se lance et puis depuis un mois vous n'avez pas de nouvelles de lui. Je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Oui, et vous le revoyez puisque c'est un homme que vous côtoyez dans le cadre de votre travail, donc non, que je voyais dans le cadre de mon travail, mais j'ai démissionné de ce travail. D'accord. Donc je ne le vois plus, je le vois par hasard de façon très épisodique, espacée de presque 6 mois, si vous voulez. Donc là, si je peux très bien le voir par hasard dans 6 mois. Mais vous l'avez appelé, vous, pour demander un peu ce qu'il en était, parce qu'après tout, plutôt que d'attendre que lui vous appelle, vous pouvez aussi, dans la mesure où il vous a invité, vous pouvez vous l'appeler, lui proposer une invitation de votre côté, parce que l'attente peut être angoissante. Exactement, c'est ce qu'on m'a conseillé, mes amis m'ont conseillé de faire. Et je l'ai appelé ce soir. D'accord. Parce qu'en fait, je l'ai vu ce soir, et sur le trottoir, comme on se voit régulièrement sur le trottoir, je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a répondu oui, c'était extrêmement... très pas d'une chaleur extraordinaire, donc je suis partie, je suis rentrée à la maison, j'ai été perturbée au point de décider de l'appeler tout de suite et qu'il fallait régler les choses. J'ai été décidée de me dire non, qu'on n'avait pas le... On n'avait en fait pas vraiment le droit de se comporter comme ça avec moi et de fixer les choses, de lui dire j'avais décidé, j'avais réfléchi un petit peu, je me suis dit je vais lui dire que... Alors finalement je lui ai réellement dit ça, je lui ai dit que je regrettais qu'il n'ait pas... Donc au téléphone je lui ai dit je regrettais qu'il n'ait pas voulu me revoir. Parce qu'il me plaisait beaucoup, j'ai été extrêmement sincère, j'ai dit les choses, voilà. Ouais. Je regrettais qu'il ne veuille plus me voir, parce qu'il me plaisait beaucoup, et que je demandais de sa part quelque chose de clair, parce qu'en fait j'avais besoin de mon énergie actuellement pour mon nouveau travail, et que je n'avais pas vraiment envie d'être perturbée à ce point, parce que je lui ai avoué que j'étais extrêmement perturbée par cette situation.
Et il m'a dit qu'il était extrêmement étonné que je le prenais de court, m'a-t-il répondu. Et qu'en fait, il m'a dit qu'il attendait un peu un appel de ma part, en effet. Il prenait les choses de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus de recul que moi, bien sûr. Hein, ça, c'est peut-être ça la différence. Et que, en fait, moi, ce que je lui demandais, c'est qu'il me dise clairement que, à la limite, que c'était terminé et que, j'aurais été soulagée. C'est ce que je désirais quelque part. Et j'ai pas, malheureusement, pas eu cette réponse. La réponse a été qu'il était lent, qu'il lui fallait du temps, qu'il n'avait pas que dire d'autre, qu'il sortait d'un divorce assez, enfin qu'il n'était pas encore divorcé visiblement, qu'il sortait d'un divorce difficile, qu'il ne voulait plus s'embarquer dans une relation rapidement au risque de le regretter après et que ça finisse comme c'est visiblement fini sa relation, mais la relation précédente, il a quand même fait des enfants, c'est une relation très longue en fait, donc malgré tout il en reste assez visiblement assez atteint, voire même traumatisé, parce que ça fait, je pense, très long, visiblement longtemps qu'il est tout seul. Et donc en fait, moi qui espérais une coupure franche, parce et oui, que je ne l'ai pas eue. Parce que vous êtes très angoissée. Voilà. Et que cette coupure franche, s'il vous avait dit « bon, c'est terminé », vous auriez été malheureuse, mais au moins, c'était clair. Voilà, Alors que cette attente vous est insupportable et il valait mieux, comme vous dites, passer à autre chose, hein, la souffrance. Au fond, vous connaissez, être seul, vous savez ce que c'est, alors que être dans, comme ça, le désir de quelqu'un, le désir de l'autre, dans l'attente, c'est insupportable parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse chez vous. Elle est palpable. Oui. C'est exactement ça, oui. Oui. Donc, vous êtes allé au-devant, vous provoquez provoquer presque une rupture qui n'a pas eu lieu. Non. Il a été assez surpris, en effet. Et oui, c'est ce qui, certainement, alors je ne sais pas, après, dans votre histoire, vous dites que vous êtes seule, mais parce que la relation à l'autre, certainement, est vous fait peur. Et là, alors vous tombez sur un homme qui, lui, bon, vient de subir, vous dit-il, deux divorces, mm-hmm. qui peut avoir peur à nouveau de s'engager dans une relation. C'est vrai que je reconnais, hein, pour le coup, que vous laissez, alors que vous avez eu une première rencontre, un mois sans nouvelles, c'est un peu angoissant. Pour quelqu'un d'autre, on pourrait dire, sans parler d'angoissant, dire... quand on a eu comme ça une première rencontre, normalement on n'attend pas un mois pour donner signe de vie à l'autre. Hein, on le fait dans la foulée parce que on a envie de revoir l'autre. Si on a envie de revoir l'autre, on n'attend pas qu'il y ait trop d'eau qui passe sous les ponts. Oui. Bon, cela là dit, ça ne veut pas dire que. Oui, mais parce que vous, ça se comprend. Vous, finalement, votre désir n'est pas que ça continue. Inconsciemment, vous êtes plutôt dans l'idée de la rupture. Vous, lui, alors c'est pas qu'il a pas envie de vous revoir. D'ailleurs, vous voyez, sinon il vous aurait dit, ah bah oui, il aurait pu être désagréable en disant, bah oui, justement. Il aurait pu sauter sur l'occasion. Il aurait pu sauter sur l'occasion en disant, bah oui, justement, oui, arrêtons-nous là, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que tu vas me chercher des poux dans la tête, voilà. Enfin, en le disant autrement, me dire, oh là là, non, bah on arrête là. C'est pas parce qu'on a déjeuné une fois ensemble, on arrête là. Or, c'est pas du tout ce qu'il vous a dit. Il vous dit non, pas du tout, mais c'est un peu compliqué pour moi dans ma vie en ce moment, j'ai besoin de temps, et voilà ce qu'il en est. Simplement, en vous entendant, je me dis que vous, est-ce que vous allez pouvoir supporter ça ? Un peu l'indécision de cet homme, le fait que pour lui c'est compliqué dans sa vie, que cette relation peut mettre du temps à démarrer, que ça sera pas blanc ou noir, et
que vous, vous avez terriblement besoin d'être rassuré et que lui n'est pas le mieux placé pour vous rassurer. Mmh. Oui, il est clair que rien que de n'avoir pas de nouvelles pendant un mois, ça me rend extrêmement fébrile. Vous êtes très mal déjà, et oui. Là, Voilà. Alors, est-ce que ça vaut pas la peine de... est-ce que malgré tout, puisqu'il vous plaît, est-ce que c'est pas une façon... Vous savez, parfois, la meilleure façon de dépasser ses peurs, c'est aussi de les affronter, hein, Camille. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut vivre à l'abri de ses peurs, en s'en tenant complètement à l'écart, en faisant en sorte de ne pas les affronter, en les évitant. Alors, on se met à l'abri de tout. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais oui, vous vous protégez, on se protège de tout, même de l'amour. Et ça ne fait plus partie de ma vie depuis très longtemps. Mais oui, j'ai cru comprendre. Et malgré tout, ça me rattrape quand même. Mais tant mieux. Tant mieux, c'est ce qui fait que vous êtes vivante. Hein. Mmh. Alors je vous dis, ça peut être une façon aussi d'apprendre aussi à les apprivoiser et de vous dire, bon, bien sûr qu'il peut y avoir des déconvenus, mais est-ce que ça vaut pas le coup de tenter l'aventure ? Parce que je me dis aussi, les choses sont tellement compliquées. Oui, oui. Je pense peut-être naïvement que les choses doivent arriver simplement. Mais pas toujours, Camille. Vous savez, vous avez 35 ans, je ne sais pas quel âge a cet homme. Vous rencontrez, c'est rare à ces âges-là d'avoir un homme qui est vierge de tout passé. Oui. Donc bon, bah oui, il a une histoire avant, c'est peut-être un peu compliqué pour lui, mais au moins déjà il est libre quand même. Ça pourrait être encore plus compliqué s'il était marié. On peut toujours trouver plus compliqué, alors vous pouvez toujours vous réfugier derrière un prétexte en disant « Oh là là, c'est compliqué, je fais l'escargot dans ma coquille ». Et je me replie chez moi et comme ça, c'est sûr, je me fais pas peur parce que je vis rien. Oui. Mais est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer ? Oui. Il m'a dit qu'il allait me rappeler, qu'il lui fallait du temps et qu'il me recontacterait. Donc je ne sais pas, ça peut très oui, bien mais être vous pouvez aussi dans, vous dans une année. Oui, non, alors laissez pas une année en revanche, hein. Oui. C'est ça hors de question d'attendre un an, hein. Il faut quand même pas vous allez pas jouer les Pénélopes là. Hein. Mm-hmm. Non, non. Et en revanche, si vous pouvez, la prochaine fois, être sur un mode un peu plus ludique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander des comptes et de dire mais où est-ce qu'on en est, notre relation, sur quel mode elle démarre. Non, vous êtes dans une relation où cet homme vous plaît, vous lui plaisez. Et bon, vous êtes dans une relation de séduction. N'oubliez parce pas ça. L'aspect relativement léger, bon, j'en suis pas vraiment capable, mais jusqu'à maintenant, j'étais plutôt sur ce mode-là avec lui, jusque maintenant. Mais là, j'ai essayé effectivement de provoquer une rupture. Oui, en effet, c'est ça. J'ai essayé. Oui, mais je sais bien, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Tant mieux. Ça n'a pas marché. Vous voyez, finalement, il a. Bon, il n'a pas, il a déjoué, il n'est pas rentré dans votre, dans ce filet là, dans ce que vous lui offriez là. Bon, il a déjoué ça, vous lui plaisez, il n'est pas rentré là-dedans. Alors, prenez ce temps. Il ne m'a pas dit que je lui plaisais. Attendez, si vous lui plaisiez pas, il y a longtemps, Camille, il aurait pu vous dire, allez, on arrête là. Oui. Hein mais d'accord. Il a quand même alors fait maintenant, les choses extrêmement non mais Camille, légèrement. Je sais que oui, mais vous allez tout trouver pour arrêter. Hein, on va pas refaire le film là. Oui. Vous allez tout trouver, tous les prétextes sont bons pour vous faire votre petit film et vous dire que voilà, ça va pas marcher. Tout à fait. Voilà. Ça, votre scénario, il est construit d'avance. Voilà, c'est vrai. J'ai plein d'arguments là. Mais vous avez besoin d'être rassuré. Lui aussi a certainement besoin d'être rassuré. Donc pensez-y un peu, il a besoin de temps, bon,
bah, pourquoi vous ne vous l'accordez pas ? Et dites-vous que lui, c'est ce que dit Brigitte, c'est une situation un peu inversée par rapport à tout à l'heure. Comment se comporter avec une personne qui est en période de séparation ? Vous, il y a longtemps que vous êtes seule, et c'est compliqué d'envisager d'être à nouveau en couple. Eh bien lui, il a été en couple, et il a vécu une séparation, et être à nouveau en couple est compliqué. Vous n'êtes peut-être pas si éloignés l'un de l'autre. Faites un pas l'un vers l'autre. Ça vaut la peine. Bonne chance, Camille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Caroline. Des messages qui arrivent au 739-21 pour Camille qui dit pourquoi ne pas organiser une soirée avec d'anciens collègues pour relancer la machine. Et puis, qui sait, Ava qui dit aimer, ça ne faisait plus partie de votre vie, mais votre vie vous faisait-elle encore vraiment envie, dénuée du risque intempestif du verbe aimer. Bonsoir Florence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc en fait, j'avais envie de parler d'une histoire que j'ai vécue avec un homme que j'ai rencontré en 2009. Nous sommes rencontrés en février 2009 et donc on s'est tout de suite plu, je dirais déjà physiquement. Et 4 mois après, je quittais mon appartement pour vivre avec lui. Donc, on n'a pas pris le temps de se connaître. Et donc, les premières semaines, les premiers mois de notre vie commune, ça s'est très très bien déroulé. Et j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à avoir des doutes dans le sens où j'ai commencé à lui poser des questions, pourquoi il quand nous regardions la télévision, il zappait sur une autre chaîne. Parce qu'il n'avait pas envie de voir à la télévision ou dans la vie, hein. Il n'avait pas envie de voir des personnes de couleur. Et je me disais, mais non, c'est moi certainement qui me fais des films. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai commencé à lui poser des questions, à lui dire mais j'ai l'impression que le fait que tu veux de voir des personnes de couleur te dérange. Il m'a répondu oui. Et là ça a été un gros choc pour moi. Ça a été un énorme choc. Sachant que quand on s'est rencontrés, il savait que mes parents ont des origines algériennes et on s'est quand même mis ensemble et puis moi je n'imaginais absolument pas qu'ils puissent avoir des a priori par rapport à ça. Et donc c'était pas seulement les personnes de couleur, c'était aussi un peu tout le monde, quoi. Enfin, un peu tout le monde, les personnes de couleur, maghrébins, et tout cela. Et j'ai appris aussi. En fait, j'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Parce que quand on s'est connu, il m'a aussi montré des photos de lui lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Oui. Et sur ces photos-là, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Il y a quelque chose qui m'a dérangée dans le sens où je trouvais qu'il avait un style, entre guillemets, mais en tout cas un style. Qui revendiquait des choses sur ses photos.
avec ses amis. Oui. C'est-à-dire, donc j'ai découvert qu'il était aussi, qu'il était skin. Oui. Et je lui ai posé... À quel âge, adolescent, au sortir de l'adolescence ? Au sortir de l'adolescence, oui. 18, 20 ans. Absolument. Oui. Et je lui ai posé la question directement. Et il m'a répondu oui. Et là, ça a été le choc pour moi. Oui. Ça a été le choc et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment... pourquoi tu... Bon, c'est sûr, quand on s'est rencontrés, il n'allait pas me raconter tout ça. Non. C'est clair, hein. Mais c'est une personne qui finalement a continué, en tout cas dans sa tête. Aujourd'hui, il a 42 ans. Oui, parce que ça aurait pu être un moment donné de sa vie. Mm-hmm. Oui. Et après, il aurait pu évoluer différemment. Absolument. Or, ces idées-là, cette idéologie derrière persiste. Voilà, absolument. Il aurait pu être dans des mouvements de type skinheads dans sa jeunesse, être dans une recherche, une quête d'identité, parce que souvent il peut y avoir de ça chez certains jeunes qui se trouvent dans ces groupes. C'est vrai que... Oui, derrière, c'est assez flou les motivations. On voit d'ailleurs des jeunes... peuvent être même physiquement un peu chétifs, un peu qui peuvent être rejetés par les autres, parfois l'objet des souffres-douleurs qui vont se retrouver là au sein d'un groupe où là ils font peur de par leur apparence. Mm-hmm. C'est le but d'ailleurs de faire peur. Ils ont un ennemi commun et c'est la force du groupe, la cohésion du groupe. Ils ont l'ennemi commun, ils ont une figure, ils se retrouvent entre hommes, ils ont cette virilité exacerbée qui souvent, pensent-ils, leur fait défaut autrement. Donc ça va bien au-delà souvent d'une problématique raciste chez les skins. Hein. Alors après, bien sûr qu'il y en a où il y a des questions réellement idéologiques et racistes chez certains. Absolument. Mais pas chez tous. Pardon. Pas chez tous. À cet âge-là, je veux dire. Oui. Oui. Et en fait, quand... Quand je lui ai posé la question, qu'il m'a répondu oui, j'ai été cette personne-là. Et donc il s'est senti complètement. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux me dire excusez-moi. Oui, vous avez du mal à. C'est compliqué pour vous de vous dire que vous avez pu aimer. Voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu pourquoi tu as été skin, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Et parce que moi j'ai déjà entendu parler de skin, de personnes skin qui pouvaient aller jusqu'à la violence. Ah oh bah oui. Jusqu'à la violence. Comment? Bien sûr. Il m'a avoué avoir été jusqu'à la violence avec ses camarades de l'époque, jusqu'à battre, donner des coups, se mettre à plusieurs sur une personne de couleur. J'ai une personne de couleur, j'ai envie de dire sur une personne, sur un noir. Sur un noir, oui. Tout simplement, il n'y a pas besoin de... Ah ben non, mais moi je suis pas, moi ça m'agace un peu, personne de couleur. Voilà, dire noir, c'est pas péjoratif. Et donc voilà, oui. Parce que pour lui, ces personnes-là n'avaient pas le droit, mais c'est horrible, mais pour lui, ces personnes-là ne devaient pas exister. Et c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. Et donc, moi, je me suis retrouvée très vite enceinte. Très vite enceinte. On a eu... Mais donc, ça, c'était avant de... On a eu un enfant ensemble. Et donc,
il y a beaucoup de questions qui me sont... J'étais très partagée, je me posais énormément de questions. Quelle éducation ? J'avais peur pour mon fils. Mais attendez, vous avez été enceinte, vous connaissiez un peu l'histoire, ses positions idéologiques ? Je ne connaissais pas tout. C'est au fil du temps que j'ai appris. J'ai appris certaines choses de sa part. Je suis tombée enceinte et c'est là aussi qu'il m'a avoué qu'en effet, il avait déjà battu des personnes noires avec ses camarades. J'ai vécu une grossesse très difficile parce qu'on ne partageait pas les mêmes points de vue. Et qu'il a voulu aussi me façonner à son image. Il voulait que j'aille dans son sens. Et moi, je n'en démordais pas parce que j'ai jamais eu ce sentiment. J'ai jamais ressenti de, comment dire, de préjugés. Pour moi, je ne suis pas raciste. Et donc, je ne pouvais pas comprendre. Et j'étais perdue. J'étais énormément perdue, j'étais enceinte, d'ailleurs j'ai accouché avant terme, à 7 mois. Et à un moment donné, la question s'est posée pour moi, après mon accouchement, très rapidement. Est-ce que je devais continuer à vivre avec lui ou me séparer ? Sachant que de toute façon, bien sûr, j'étais enceinte, on a eu notre bébé, mais je ne pouvais pas non plus cautionner. Parce que quelque part, vivre avec lui, pour moi, c'était un peu... continuer à vivre avec lui, c'était cautionner ce qu'il était. Ce qu'il continuait à être depuis qu'il était tout jeune. Mais il continuait à faire partie de mouvements ou... Non, il faisait plus partie de mouvement, mais par contre, il se mettait très souvent sur Internet. Il allait sur des sites. Et allait sur des sites. Sur des sites clairement racistes. Des sites clairement racistes. Et j'étais vraiment choquée. Mais c'est problématique, surtout par rapport à votre enfant et l'éducation qui va être donnée aussi. Il a quel âge maintenant, votre enfant ? Et de l'éducation qui... C'est un bébé, là ? Un bébé. Oui, c'est embêtant. Oui, ouais, un bébé. Et j'avais peur, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très... qui campe sur ses positions, qui n'en démord pas. Il me disait souvent, de toute façon, plus tard, notre enfant... Damien, excusez-moi, j'ai donné le prénom. Notre fils, plus tard, notre enfant ira dans des écoles privées. Je ne veux pas qu'il soit en contact avec des personnes, avec des Noirs, avec des Arabes. Mais et tout ça m'a fait sortir de mes gonds. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, vous êtes toujours avec cet homme ? Pardon ? Vous êtes toujours avec cet homme ? Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai longuement réfléchi, j'ai mûri des choses, mm-hmm. et je savais que de toute façon, il fallait que je le quitte. Je l'aimais. Alors c'est ça que je n'ai pas. C'est assez paradoxal, dans le sens où j'aimais cette personne, je n'aimais pas les sites où il allait, ce qu'il pouvait penser, tout ça, je détestais même. Et donc, il y a 11 mois de ça, j'ai emménagé dans mon appartement, et je suis partie, je lui ai dit, j'avais fait des démarches... pour partir sans lui dire, parce que j'avais très très peur de sa réaction. Et c'est quand ça doit être, je pense c'était 2 mois juste avant que j'emménage, hein, que je parte, que je
parte. Je lui ai dit, voilà, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, je te quitte, je pars. Alors, Cathy pose une question que je trouve intéressante, là, par SMS. Elle dit, qu'est-ce qui vous avait attiré en lui? Ce qui m'a attiré en lui, c'est... je le trouvais... justement, c'est curieux, je le trouvais très posé, je le trouvais attentif, il y a quelque chose qui s'est passé dans le regard, hein, entre nous, et quelqu'un vraiment, pour moi, c'était quelqu'un que je trouvais très gentil. Et j'avais besoin de ça parce que j'ai vécu des histoires très chaotiques dans ma vie. Et quand je l'ai rencontré, pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, je pense enfin avoir rencontré la bonne personne avec qui j'ai vraiment envie de continuer ma vie. Et vous avez des clés un peu pour comprendre, pour savoir d'où lui viendrait cette haine de l'autre? Enfin, l'autre, en l'occurrence, ce sont les Noirs chez lui, mais bon... vous connaissez un peu son histoire? Pourquoi ça s'est... Vous avez essayé d'en parler avec lui? J'ai essayé d'en parler avec lui. En fait, je... J'arrivais rien à en tirer de son histoire, de quel enfant il a été, quelle image il a eu, pourquoi sa haine s'est portée, lui en l'occurrence, sur les Noirs. Pourquoi il y a quelque chose qui s'est déplacé là, mais ouais. On peut se demander. Alors après, évidemment, toute votre c'est la question que vous posiez, c'est-à-dire c'est toujours très, quand on n'est pas soi-même, qu'on n'a pas ces idées là, comment se mettre dans la tête de quelqu'un qui a autant de haine, hein, pour l'autre, pour l'autre différent, qu'il soit noir, d'autres d'une autre culture, c'est toujours très très compliqué, et d'autant plus que vous-même vous dites que vous avez des origines algériennes. Alors vous dites, et cet homme le savait, ça ne l'a pas empêché de vous aimer, mais vous savez, c'est aussi toute l'ambivalence des sentiments humains. L'amour et la haine, enfin, et souvent, là aussi, on veut parfois ce que l'on est. C'est le subversif envoie un message là-dessus, mais qui est très juste, en disant on peut être aussi fasciné, hein, par ce que l'on est, ce que l'on veut détruire. Derrière cela, ça cache parfois une très grande fascination. Parce que sinon, on ne serait pas autant obsédé. Et d'ailleurs, je lui avais dit, mais tu es au courant, tu sais que moi j'ai des origines de par mes parents. Mais oui, mais ça ne lui pose pas de problème. Non, ce qu'il m'a répondu. Au contraire, ça peut même être attirant pour lui. Mes deux parents sont d'origine algérienne, et par contre, moi ça ne se voit pas sur mon visage. Absolument pas. En plus, je porte un prénom français. Et je lui dis, mais moi, dans tout ça, pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Et là, il m'a répondu, à ce moment-là, mais toi, tu es ma petite Florence, toi, je t'aime. Parce que ça fonctionne sur le mode du clivage. Il ne peut fonctionner que comme ça. Le racisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire que on choisit son ennemi, l'autre n'est pas, il y a les bons et les mauvais, hein, et on ne peut donc les détruire parce que justement ils sont différents de nous. Donc il y a aucune empathie, puisque ils n'ont même plus le statut d'être humain.
Regardez pendant la guerre de 40, les Juifs ont été assimilés à des nuisibles, à des rats. Toutes les affiches les représentaient comme cela. Mm-hmm. Il fallait les éliminer. Ouais. C'était d'autant plus facile que finalement, ils n'avaient plus rien d'humain. Non. Donc, comment éprouver des sentiments pour ce qui n'est plus... ça n'appartient plus à la race humaine. Alors, vous me direz, il y a même des humains, heureusement, qui éprouvent des sentiments et qui vont pas vouloir faire de mal à des animaux. Mais, oui. Voyez, on choisit pas n'importe quel animal. On choisit, là, en choisissant en l'occurrence, le rat. Hein, bon, le rat, on va dire, on peut détruire, ce sont des nuisibles. Donc, dans la tête d'une personne raciste, l'autre devient quelqu'un qui est différent, qui est à éliminer. Mm-hmm. Bon, mais vous, là, vous étiez à part, vous étiez, même si vous aviez des origines algériennes, vous étiez à part, vous étiez sa petite Florence, celle qu'il aimait. Donc, vous ne faisiez pas partie de cette catégorie-là. Oui. Bon. Jusqu'au jour où vous pouviez, s'il y avait un problème, redevenir, appartenir à ce côté-là. Maintenant, ce qui est important pour vous, et comme le dit First Lisa, c'est de, attention pour votre petit garçon, c'est un moment de puisque vous êtes séparés de cet homme, oui. De pas projeter les caractéristiques de cet homme sur votre fils. Absolument, il faut que je fasse très attention à ça. Et puis d'être vigilante quand même sur l'éducation qui va lui être donnée, hein, cet enfant. Absolument, absolument, d'être très vigilante parce que ça me fait peur. Ah bah je comprends que ça vous glace, oui. Ça fait peur et vous savez, c'est très choquant, c'est très violent ce que je vais vous dire, mais un jour il m'a dit mais j'ai fréquenté à une période de ma vie quand il était un petit peu plus jeune, quand il était justement dans cette période là très il l'est encore bien entendu. Mais donc quand il était plus jeune, il m'a dit qu'il avait fréquenté des femmes noires. Je dis alors je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir des relations avec des femmes noires? Et il m'a répondu, et là je suis restée vraiment bouche bée. Il m'a dit parce que je voulais coucher avec ces femmes noires pour en fait, c'était pour montrer aux hommes. Oui. Alors, aux hommes de la race noire. Oui, hein, oui. Mais on va pas. Écoutez, on va pas. Moi, j'ai pas envie non plus d'ouvrir parce que ça fait un peu finalement ce qu'on prétend condamner. On lui ouvre l'antenne et j'ai pas envie d'ouvrir l'antenne à ces idées-là parce que finalement, vous, bien sûr, ce sont pas vos idées, mais vous reprenez ses propos et moi, voyez, j'ai pas envie d'entendre, de lui donner par votre bouche puisque vous reprenez ses propos à lui, l'antenne-là. Oui, mais ça montre bien que, il prête des propos, soi-disant, derrière cela. Oui, n'empêche qu'il a eu des relations avec ces femmes noires, oui, comme absolument. Il dit. Donc, derrière son mépris, sa haine, il y avait bien du désir. Tout est mêlé. La haine, l'amour, le dégoût, le désir. Oui. Tout est mêlé. C'est toute l'ambivalence des sentiments humains. C'est ambivalent, en effet. Mais oui, mais nous sommes foncièrement ambivalents. Voilà. Mm-hmm. Et c'est particulièrement présent dans le cas des racistes. Un raciste croit qu'il est que dans la haine. Derrière cette haine, il y a quelque chose de plus présent. Il faudrait qu'il puisse creuser quoi pour sortir de cette haine. Ouais. Bon courage à vous, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir. 39-21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Maxime. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Camille, qui était la première intervenante, qui se demandait comment ça allait pouvoir se passer dans sa relation, parce qu'elle n'était pas attirée physiquement par l'homme avec qui elle était. Oui, ça m'a attiré tout de suite, surtout quand vous avez dit les hommes, eux, peuvent très bien faire la séparation. Or, non. Entre sexe et sentiment. Oui,
sexe et sentiments. Mais je la comprenais très bien, puisque je suis un peu dans la même situation. C'est vrai que le désir ne se commande pas, c'est ce que vous disiez. Mais lorsqu'on a tout le reste, que tout le reste correspond si bien, et que c'est quand même pas du dégoût, parce qu'elle disait quand même qu'il n'y avait pas trop de soucis sur ce plan-là, il y a ce désir quand même qui fait qu'on n'est pas attiré, parce que c'est les hormones, c'est simplement des hormones, quoi. Mais si tout le reste va bien, je pense que on peut très bien vivre une belle vie avec quelqu'un si on est très très bien avec, sans que le sexe soit une corvée, et puis je sais pas, mais moi je trouve que ça peut se faire comme ça. Et puis passer à côté, comme elle disait, on peut très bien, parce que moi aussi avant j'ai rencontré des gens qui étaient très belles filles, et bon, il y avait que ça, quoi, il y a que le sexe qui était bien, mais ça remplit pas une vie. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Voilà, l'idéal serait d'avoir les deux. Je suis d'accord avec vous. S'il y a que le sexe, ça ne peut pas aller. Ça se travaille. Je pense que ça peut se travailler, le désir. C'est, quand c'est pas naturel, ça doit pouvoir se travailler. Bon, moi, je sais que c'est difficile, mais c'est toujours elle qui fait le premier pas. Mais il y a le livre de Sophie Fontanelle, je crois que tout le monde fait l'amour. Pourquoi ça a tellement de succès? Ça montre que, effectivement, dans cette société où on parle beaucoup de sexe, c'est pas si simple que ça, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des périodes sans sexualité, femmes et hommes confondus, et qui n'osent pas en parler. Et je pense que ce livre a eu beaucoup d'écho, parce qu'il correspond aussi à quelque chose, réellement à un vécu, et elle en parle avec beaucoup de sensibilité. Merci en tout cas beaucoup, Maxime, de cette réaction. Je voulais également dire, ça me revient par rapport au témoignage de Florence, il y a un livre magnifique, qui est le livre de Philippe Roth, qui s'appelle La Tâche, et qui traite magnifiquement de ce sujet, justement du racisme. Philippe Roth, La Tâche. Voilà, un peu de musique pour conclure l'émission.